Viens, lève-toi. On va discuter. Je veux que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire. Je ne sais pas si tu te souviens des derniers mois où je vivais avec ta mère. Tu te souviens? Tu te rappelles dans quel état j'étais? J'étais mal tout le temps. Je travaillais plus, je sortais plus. Je voulais plus exister. Alors, quand ta mère dit que cette femme s'est suicidée parce qu'elle était dépressive, je comprends très bien ce que ça veut dire. Même si elle avait un petit enfant. T'as souvent pensé à te suicider à l'époque? Oui, ça m'est arrivé. T'as jamais pensé à te tuer en avalant du détergent dans les rayons? Quoi? Non. Tu crois qu'une femme qui va dans le pressing de son mari, qui avale un flacon de détergent devant son fils et qui s'écroule, elle fait ça juste parce qu'elle veut mourir? Pourquoi elle n'a pas pris des médicaments pour aller mourir dans son lit? On peut passer la nuit à imaginer des choses comme ça. Ce sont que des suppositions. Demain, on verra l'employé de Samir. Elle a des choses à te dire.